Donc voilà. Donc du coup, Star Wars Battlefront en mode Walker et en rebelle. Voilà. Non mais c'est vrai que faut dire ce qui est. C'est très dur au début, je trouve. Mais passé un moment, on prend vite du plaisir sur ce jeu. Hein. Y a pas de problème. Moi, je m'amuse bien en tout cas. Voilà, je m'amuse bien. Et je pense que je vais encore plus m'amuser quand j'aurai toutes mes cartes correctement et que j'aurai plus à attendre de farmer mes trucs pour que je puisse vraiment jouer. Parce qu'en fait, c'est ça qui est. Le jeu est tellement déséquilibré que vous êtes obligé d'attendre vos cartes et vos machins. Waouh! Oh merde! Oh, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? Bon, c'est pas le bon plan là-bas, il y a le TBTT qui nous allume. Ah oui, ça. Non, faites demi-tour! Demi-tour! Non, mais faites demi-tour! Vous allez mourir là-bas. Ah, il y a Luc. Ah, Luc, c'est l'espoir. L'espoir fait vivre. Ah bah ouais, hein. Regarde, ils vont tous se faire déchirer, quoi. Ils vont tous se faire déchirer. Bon, moi, j'y vais pas. Courageux, mais pas téméraire. Allez, bon suicide à vous, hein. Ciao. Ouais, donc ouais, globalement, à part quelques games vraiment infectes, je m'amuse quand même vraiment bien, quoi. Mais là, j'attends avec impatience l'arbalète et le comment ça s'appelle, le chasseur de primes, là, la carte chasseur de primes. Carte chasseur de primes que j'aurai au niveau 26 et l'arbalète que j'aurai au niveau 32. Alors là, par contre, j'ai encore le temps, quoi. J'ai le temps de le voir arriver. Ouais, c'est assez long. Oh, Luc! Je le conseille. Ah, bien joué, les gars! GG! Cette map-là, c'est une de celles que je maîtrise le moins. Je sais jamais où bien me placer correctement. Système de visée du Y-Wing verrouillé. Ah, mais c'est le bordel! Tiens, mon gars! La puissance de l'explosif! D'après nos renseignements, le chasseur de primes Boba Fett n'est pas loin de vous. Ah, ça c'est pas cool. Oh putain. Je veux! Ah, j'étais sûr qu'ils allaient coordonner leur attaque. Notre Y-Wing vise le marcheur. Ils sont de l'autre côté. Coordonner l'attaque? Ouais, en fait, il y a le TRTT là qui est arrivé comme ça en mode. YOLO? Puis là. Et puis de l'autre côté, il y a les. Oh, j'en ai eu deux avec la mine. Rétro, respawn. Non, mais en fait, c'est que je connais tellement là les parties maintenant, tu vois, parce que j'ai quand même quelques heures de jeu maintenant. Ah putain! Que maintenant, je sais les trucs à faire et à pas faire, tu vois. Et foncer dans le tas, c'est que très rarement une bonne option. Voilà. Bah, selon les cartes que. Ah, le bâtard! Selon les cartes que t'as, quoi. Et là, clairement, c'est pas bon, quoi. Mais je crois que je vais repasser au DL-44, là, en attendant C'est sûr que si t'as un T-21B, un fusil cycler et carte tir de précision, aller dans au corps à corps, c'est pas... Ah oui, ça c'est bon. Pas la meilleure de solution. Non, j'ai le petit gun avec les explosifs, là, mais... Ah oui, non. Mais le problème, c'est que... Une fois que le CD de mon explosif est terminé, j'ai pas l'arbalète. Tu vois? J'ai pas l'arbalète. Oh, mais je suis trop con, ma parole. Je vais reprendre le DL-44 pour ce moment-là, pour l'instant. Ce sera plus facile. Ouh, je me suis bien fait foquer là. Oh! Oui! Il n'y a pas Boba Fett dans le coin. Si, il est là. Je l'ai entendu tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il vient de le défoncer celui-là, mais. Mais c'est toi? Ah non. Continuez à tirer sur ce marcheur, il est déjà sérieusement endommagé.
Est-ce que tu as senti la force t'envahir en jouant à ce jeu? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire sodomiser par Luke Skywalker et Dark Vador? Parce que si c'est le cas, oui, hein, souvent. Non, mais non. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai cette arbalète. C'est trop fort, c'est trop puissant. Cheaté ce talent-là. En combinaison avec le jetpack. Ah mais moi ce sera arbalète, jetpack, tir explosif et un gun avec une grosse cadence. Ouais, bah là, comme 90% des streamers qui font à peu près le café. Oh bah ils ont raison, hein, franchement, ils ont raison. Voilà. C'est le combo, c'est le combo qui c'est un peu comme le principe de la méta, quoi. C'est The combo. Pas de raison de pas faire ce qui marche, quoi. J'aime bien aussi le T21B là, il est franchement, il me fait un peu plaisir avec celui-là aussi, faut avouer. Il est quand même sympa. Le marcheur est dans le viseur de notre bombardier. Oh putain. Je suis pas presque certain qu'il va me faire prendre dans le dos là. Je le sens bien là. Mais bon, c'est pas grave, là je défends, on est bien. On va dire que j'ai quelqu'un qui protège mes arrières. Bah tous ceux qui spawn déjà. Allez vas-y rentre. Rentre mon gars. Tiens. Ah. On se fait chier là quand même. Allez. Ah ouais non mais attendre à une tourelle y a plus excitant hein. Ouais mais bon non, c'est... C'est pas excitant se mais faire c'est faire sodomiser par un TBTT. Ouais voilà. Bien ça. Toujours imaginer que tu peux te faire sodomir hein. du deuxième groupe hein. Voilà. Oh non. Ah, il a eu le temps de la lancer. Ouf. Ah, j'ai touché avec ma frappe orbitale quand même. Hein. Allez, tiens, je vais me faire un petit vol. C'est parti. Ouh, tension. Allez, c'est parti. Allez, là, combien de secondes avant que je me crache? Oh, ça se compte plutôt en minutes, non? Voilà. J'en ai tué un quand même. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai eu un. Bon bah voilà, ça a pas duré longtemps, effectivement, vous avez vu. Ah, mais il y avait un vaisseau, je l'ai pas vu. C'est le vaisseau. C'est eux qui m'ont défoncé, là. Merdasse. La princesse Leia arrive en renfort. Ouais, Leia en renfort. Allez, vite. Beau travail. On a activé la liaison. Ah. Ah ouais, y'a du monde. Effectivement. C'est la guerre. C'est la guerre. Bon, par notre Y-Wing. Vous êtes sur le coup, hein. Moi, je ne sers à rien dans cette partie. Je n'ai rien fait, quasiment. Hein. Faut être clair. Pour ce coup-là, je n'ai vraiment rien fait. Allez, du coup, je vais reprendre un avion. Alors, il y a des maps déséquilibrées en fonction répu empire. Bah ouais, ouais. Bah en fait, quasiment toutes. Hein. Tiens mon gars. Tiens, doublé. Ah oui. Ah oui. Ah ça, ça pique hein. Et ouais, ça pique les gars. Bon, j'en ai pris un, il avait plus de vie aussi. Ça vaut pas. C'était pour de faux. Oh, ce que ça m'a mis dans la gueule. Oh, la tourelle quoi. C'est une blague. Attends mais... Y'en a un qui est par là? Y'en a un qui est derrière. Oh non! La séquence de verrouillage des Y-Wing. Je sais pas ce qui m'a verrouillé en fait, c'est ça le problème là. Ah, j'en étais sûr. Ouais, moi aussi j'en étais sûr. La station de liaison est sous notre contrôle, défendez-la! L'unité au sol est verrouillée sur vous! Wow! Je l'ai évité! Wow! Quel pilotage, les amis! Des années d'entraînement à tenir le manche, ça!
Les Y-Wing visent les marcheurs. Oh, mon missile a rien fait, quoi. Oh! Les maps sont déséquilibrées, c'est clair. Y a pas de problème là-dessus. Ils font ça bien. Le BTT n'a plus de protection, c'est le moment de le détruire. Ça, ils savent. Mais c'est jouable, voilà, c'est jouable. Tu sais que quand t'es Empire, va falloir te lever tôt, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. BTT à terre. Mais bon, voilà, ça se joue. En fait, le déséquilibre pour moi. Encore! C'est la fin de Boba Fett. Le déséquilibre, il se fait surtout sur les cartes et tout pour moi, plus que. Hop. Bon, bah il a disparu. Le TBTT a subi des dégâts considérables. Je suis en train de faire une session en avion, mon gars, là! Fais-toi plaisir. Oh oui! Oh oui! Oh non! Oh non! T'es sans déconner, vous avez vu la fin là? Il a réussi à te tuer avant de. Ah bordel! Bon, c'est pas grave, j'ai fait une belle session en avion.